Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième nouvelle vidéo de présentation d'un livre de Sarah Mouzio qui s'appelle Un fantastique voyage le long des routes migratoires des hirondelles. Donc c'est un livre, je crois que je l'avais acheté en même temps que Le fabuleux voyage d'un petit poisson rouge parce que du coup ça ils sont sortis à peu près au même moment, je crois. Donc c'est un livre à peu près du même style que Le poisson rouge mais sans trop l'être. Comment vous expliquer ça? Si vous voulez, là, on va plus faire un voyage autour du monde, alors que le petit poisson rouge, c'est plutôt, comment dire, bah, sur Terre en fin de compte. Alors que là, c'est vraiment dans les airs, voilà. Donc, c'est un livre vraiment très original. Et voilà, je vais vous laisser le découvrir. Donc, c'est pareil, vous le retrouvez sur Amazon au prix de 9,90 €. Le format, c'est pareil, c'est les mêmes que Johanna Basford, les éditions Marabout, quoi, les carrés. Voilà. Donc comme d'habitude, il y a hop, les rabats avec les petits oiseaux à colorier. Donc il y a toujours la petite introduction. Donc c'est vraiment un voyage à travers le monde, comme je vous ai dit. Et c'est vraiment le vrai parcours des oiseaux, du coup des hirondelles. Voilà, donc ça je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que dans ces livres je trouve qu'on apprend vraiment énormément de choses. Voilà. Donc il y a toujours sa forme de nuage qu'on retrouve aussi beaucoup dans quel livre? Mince, je me souviens plus. Attendez, je reviens. Jardin Zen, voilà. Que je vous ai pas encore présenté. Donc voilà, c'est la représentation de sa carte du monde. Donc, on voit à peu près le vol des hirondelles. Voilà. Donc, après, elle nous présente les continents. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, c'est un livre très très minutieux. Donc, si vous n'aimez pas ça, cela sert à rien. Parce que vous allez être plutôt dégoûté de faire ce livre, ce sera plutôt un supplice qu'autre chose. Et c'est pareil, j'aime beaucoup parce que du coup, dans chaque continent, dès qu'elle montre une carte ou une partie de la carte, vous voyez, et ben là c'est le Canada. Donc du coup, elle montre des élans dedans. Il y a des élans cachés. Donc moi je trouve ça très sympa parce que même, enfin moi je retourne au niveau des enfants parce que si plus tard, voilà, vous l'avez terminé, que vous lisez, les enfants le regardent, ils peuvent apprendre plein de choses avec. Donc voilà. Donc, ce sont vraiment les animaux qu'on retrouve voilà, dans les pays. Là, ce sont les pingouins, du coup, si je me trompe. Non, les aigles. Oh, qu'est-ce que je dis, moi, les aigles, évidemment, c'est la représentation des États-Unis, je suis bête. Hop. Donc, voilà, là, on passe au Mexique. J'arrive pas à bien voir ce que c'est comme animal. Là, Amérique équatoriale, avec le toucan. Je crois qu'il y a un morse ici. Brésil, du coup, avec le paresseux. Ensuite, l'Amérique du Sud, cône sud. Donc là, ce sont des fleurs, voilà, tout simplement. Donc j'aime bien puisqu'elles varient. Hop. Ensuite, on a l'Afrique du Sud avec les okapis, je crois, et les zèbres aussi. Là, il y a les zèbres. Donc, c'est pareil, ce sont souvent des doubles pages. Hein, donc, si vous n'aimez pas ça, ne prenez pas ce livre. Donc, il y a là, il y a, pardon, il y a l'Afrique australe. Donc, il y a zèbres. Il y a quoi d'autre? Lion. Okapi encore. Là, on en est dans l'Afrique équatoriale, donc on monte un petit peu. Donc là, on voit les lions, les jaguars, les gorilles. Hop. Vous voyez, on voit bien. Hop. Ensuite, là, on monte plus en golfe de Guinée, donc avec les gorilles. Et on voit quelques hippopotames. Donc on a un petit aperçu, en fin de compte, d'après ce qu'on va voir. Hop. Ensuite, on a un corne de l'Afrique.
Ensuite, Afrique subsaharienne. Ensuite, le Sahel. Là, on avait les hippopotames. Ensuite, l'Afrique méditerranéenne. Donc là, on est plutôt avec les fleurs. Voilà, ça change. Et il y a aussi, si je ne me trompe pas, des crocodiles à travers les fleurs. Je ne les avais même pas vus. Vous voyez comment ils sont bien cachés? Donc c'est vraiment à chaque fois le petit détail qui fait que c'est caché. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que du coup, le plus difficile, c'est de pas se tromper en fin de compte dans le coloriage, entre guillemets, quoi. Comme c'est confondu dans le décor, c'est très très dur. Là, après, on a le Maghreb. Donc je crois que ce sont des scorpions. Hop, qu'on voit là. Ensuite, la péninsule ibérique, donc l'Espagne. Donc il y a toujours les hirondelles, hein, évidemment. La France. L'Allemagne et Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Hollande. Alors j'adore là parce qu'il y a les pandas. Après, il y a l'archipel britannique, du coup, que là on voit mieux les petits pandas roux. Ils sont trop mignons, ça c'est l'un de mes animaux sauvages préférés. Je trouve ça trop chou. Ensuite, il y a l'Islande. Ensuite, la Scandinavie, avec les loups évidemment. La mer Baltique. Ensuite, l'Europe en général. Ensuite, on a l'Europe centrale. Je vous dis pas à chaque fois les animaux, comme ça vous les trouverez voilà, tout seul. Italie et Méditerranée. Fait du bien, j'ai l'impression de voyager en même temps de faire le livre. Avec ce temps pourri, vraiment. C'est horrible. Je suis obligée d'allumer la petite lampe à côté parce que sinon, la péninsule balkanique. Ensuite, l'Anatolie. Je connaissais même pas le nom. Donc, ce sont vraiment encore des coloriages voilà, qui vont prendre une éternité, hein, mais vous en faites pas, vous avancez quand même, même si vous pensez que vous n'avancez pas. Moyen-Orient. Ensuite, la péninsule arabique. Ensuite, l'Iran. Alors j'aime bien parce que des fois elle fait des zones, des fois elle fait des pays, donc je trouve ça vraiment sympa en fait. Il y a de toutes les formes d'échelle du monde, de la carte du monde. Voilà, que ce soit nationale, continentale. Asie centrale. Avec un beau panda. Je pense à Myriam du coup avec le petit panda. Le Kazakhstan. Ensuite, la Russie. Ensuite, on a la Mongolie. Hop. Ensuite, la Chine. Avec tout plein de pandas. Ensuite, le Japon et la Corée. Ensuite, la chaîne himalayenne.
Donc c'est vraiment diversifié. Et puis en plus, les personnes qui aiment les animaux, vous avez de quoi faire ici. Inde et Asie du Sud-Est. Donc l'Inde évidemment avec les éléphants. L'Indonésie. Nouvelle-Guinée. L'Australie avec les beaux koalas. Hop. La Tasmanie. La Nouvelle-Zélande. Et voilà, un petit dernier avec les hirondelles. Et voilà. Hop, avec le rabat toujours. Hop, et derrière, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette présentation aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que ça allait être à peu près le même style que le petit poisson rouge? Ou vous attendiez un autre style complètement différent. Voilà, en tout cas, j'ai adoré vous présenter ce livre et j'espère que voilà, vous l'acquérirez par la suite. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à très vite. Au revoir.